Message de Marie, Mère des hommes. Par la main de son messager, Roger Emmanuel, le 15 avril 1993. Mes enfants, il faut que vous réalisiez toutes choses avec amour et paix, et non pas par habitude, ou parce que c'est un devoir de le faire. Il faut que vous viviez vos prières et vos actes d'amour envers autrui. Vous êtes, mes enfants, destinés à suivre le plan de Dieu comme il le souhaite, et non selon vos critères. Pour que l'habitude ne s'installe en vos prières, changez-les en chaque jour. Et en chaque jour, vénérez Dieu le Père au travers d'une richesse terrestre, mais une richesse de cœur, un sourire d'enfant. Mes enfants, il faut suivre la voie divine afin de poursuivre l'aide à autrui et réformer la décadence humaine. L'Église de Rome connaît l'avenir depuis des décennies, l'avenir de son corps et cœur liturgique, c'est-à-dire la séparation de ces deux éléments par manque d'écoute et de respect dans la parole divine. L'Église a mal, et par là même, Dieu souffre, et je pleure de cette déstabilisation. Mais il est écrit aussi que les gens reviendront prier et implorer leur Père éternel. Mais le temps passe, et l'homme ne réagit point. Tout est laissé à l'abandon, les cœurs ne formulent plus d'aide à autrui, ils se referment sur eux-mêmes et deviennent secs et durs comme la pierre. La Pâque de mon fils n'est pas comprise par le monde. L'homme ne comprend pas qu'il a donné sa chair, son sang, pour sauver l'humanité, pour sauver le péché de l'humanité. Il a pris sur lui la faiblesse humaine pour que l'homme renoue avec son Père, pour que l'homme renoue avec un monde d'amour et de paix. Hélas, l'homme s'exclut lui-même du royaume divin, car son ego prend la place initiale du Père très saint. Venez à moi, mes enfants, car le Seigneur a besoin de notre réunion et d'être soulagé. Mes enfants, il faut prier, 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 car le monde ne sait où il va, et Dieu le Père n'arrêtera pas sa justice tant que l'homme ne sera pas conscient de son erreur. Il faut que vous sachiez que chaque chose vient en son temps, et le Père très saint n'a pas retiré sa mission au sein de votre groupe. Mais la patience est une très belle qualité aux yeux de Dieu le Père. Mes enfants, vivez l'amour à travers et pour Dieu le Père. Faites cela tout autour de vous. Mes enfants, votre avenir va être très changeant. Nombre de mutations vont se réaliser sur cette terre, et la France subira cette transformation comme tout autre pays ou nation. Tout d'abord, la nouvelle ère va voir un changement radical des idées politiques, car tous les partis sont à bout de souffle et ils s'étioleront d'eux-mêmes avant que soit un retour à la royauté. La France va renouer avec un monarque tout-puissant ayant plein pouvoir, avec une assemblée de consultation. Le roi n'aura pour maître que Dieu le Père. C'est la population elle-même qui ramènera l'héritier à son trône. Tout ceci se fera dans les cris, la violence et un bouleversement complet des mentalités françaises. À la suite de la France, bien des pays renoueront avec la monarchie et réinventeront les valeurs du roi. Mais ceci n'est que dans un temps très court. Il sera avant des gesticulations et des affrontements armés. Tout le monde politique sera déstabilisé et seul le peuple fervent et croyant permettra de sauvegarder la terre de France contre l'islam et les rouges. Avant tout ceci, le socialisme sera dissous dans nombre de pays.
ce parti connaîtra l'enlisement de ses idées et de ses actes. De tout ceci éclateront nombre de scandales, car la politique n'a été qu'un engrangement de l'argent et de biens matériels. Tout ceci se déterminera par un processus inverse de la grande révolution française, mais ce n'est pas un roi qui s'enfuira, mais un président. Le monde va continuer à trembler par sa nature géologique, mais il tremblera par ses divergences raciales. Ceci va être l'escalade de l'incompréhension des peuples, et les guerres vont gagner des territoires et des pays entiers. La CE sera déstabilisée, le nombre des étoiles va croître et décroître, certains se rébelleront à cette autorité des riches de l'Europe. Richesse forte, illusoire, car la politique actuelle ne réalisera pas ses vœux en matière de redressement. La France est généreuse avec autrui. Elle est grande dans sa critique envers autrui. Elle veut gérer, gouverner d'autres pays par sa diplomatie et sa prestance. Mais derrière tout ceci, il n'y a plus rien. Les richesses sont épuisées et s'épuiseront encore, car l'on va presser encore ce peuple pour relever une économie illusoire. Tout ceci déclenchera la grogne et la colère des Français, et les peuples européens suivront par bien des occasions le modèle français avec un retard notable, et qui n'engendrera pas les mêmes résultats. Le peuple russe va choisir un nouveau président aux réformes pro-communistes. Mais, mes enfants, la terre de France sera toujours un asile pour les plus démunis, et les plus démunis, ce sera bientôt vous. Vous vous unirez à la prière collective au retour à la sagesse divine, afin de redresser ce pays fort attachant. Le monde pleurera, il y aura des morts, mais la France se redressera par son amour et sa foi, et elle sera l'exemple du monde chrétien. Et tout évoluera pour la paix dans le monde, même s'il reste bien des horreurs. La France est agitée de soubresauts religieux, mais encore insuffisants, pour changer l'avenir de ce pays. Des groupes se forment et prient régulièrement pour l'amour et la paix, et ils se développeront dans chaque ville et village au moment opportun. Alors votre mission grandira et explosera aux yeux d'un croyant. C'est pour cela qu'il faut que vous poursuiviez dans l'abnégation, pour secourir ceux qui dégénèrent tout sur cette terre. Il faut que vous contrecarriez les effets du malin, afin que soit redonné courage et respect à tous les indécis, à ceux qui cherchent et ne trouvent. L'amour et la paix est à la porte de chaque être humain. Il suffit de s'ouvrir à Dieu pour connaître sa destinée céleste. Peu d'âmes suivent les préceptes et les commandements de Dieu le Père, et pourtant, c'est le départ d'une nouvelle vie pour tous. C'est un cri de louange et d'amour des saints vers les hommes, car tous réunis en chaque instant, ils clament votre innocence et projettent sur vous les bienfaits de leurs prières. Écoutez-les, car votre cœur peut les entendre. Il suffit de tendre l'oreille et il se remplit d'une musique suave, d'une douce chaleur. Ceci pour un renouveau de son esprit et donc de son corps. Et dans ce monde, de nombreux groupes prient, supplient pour obtenir la miséricorde divine et son pardon. N'ayez crainte, mes enfants. Suivez votre chemin d'amour et de paix. Vous serez protégés dans l'adversité, dans les tentations du malin. Vous pourrez donner l'exemple et attester de l'amour divin pour ses enfants. Il faut sourire à Dieu et à la vie. Ainsi, vous apporterez une aide aux souffrances humaines. Mes enfants, diversifiez vos prières, les moments. Que votre vie soit un recueil de prières, un écrin d'amour et un voile de paix. Venez sous ma protection et demandez-moi toute l'aide que vous désirez pour le monde en crise. Faites que cette terre ne devienne un second calvaire et une deuxième crucifixion pour le Père éternel. Il faut crier sa joie à autrui et montrer que tout en Dieu est merveilleux et doux. L'homme doit savoir que le pardon divin est un renouveau en chaque erreur pour une évolution spirituelle en la connaissance divine. Des peuples crient et vous ne les entendez pas. D'autres vont se joindre à eux
et leurs cris ne seront toujours pas entendus. Il faudra les cris de toutes les nations pour que change la terre. Mes enfants, je vous quitte en ce message, mais je reste en chacun de vos cœurs pour poursuivre votre évolution et votre connaissance. Le monde a besoin de vous. Répondez-lui du fond de vos prières. Je suis l'Éternel Immaculé pour ramener l'homme à son Dieu. Marie, Mère des hommes, amour et paix. C'était le message de Marie, Mère des hommes, par la main de son messager Roger Emmanuel, le 15 avril 1993.